pile dans les temps. Ah ouais, carrément. C'est parti. Le futur. Tu vois, ce qui me gêne dans ce film, c'est qu'ils sont pas allés assez loin dans le délire. Comment ça ? Ils auraient pu prendre une année genre 2100 ou 3112 dans le scénario. Je vois pas où tu veux en venir. Et 2015, c'est trop tôt. Maintenant qu'on y est, on se rend compte que bah, ils sont complètement plantés pour prédire l'avenir. Ah oui. Non, mais pour ça, j'ai une explication tout à fait logique. Vas-y. Eh bien, de toute évidence, une rupture dans le continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle entraînant l'émergence d'une réalité alternative. Traduction ? Regarde. Je vais te faire un dessin. Admettons que cette ligne droite représente le temps. Ici, le présent, 2015, là, le futur, et là, le passé. En amont de ce point, quelque part dans le passé, le temps a infléchi sa course selon cette tangente, créant le 2015 dans lequel nous nous trouvons, différent de celui présent dans le film. Ah, et donc ça expliquerait pourquoi eux, ils ont des voitures volantes et nous des iPhones. Précisément. Enfin bon, c'est qu'un film. Oui, si on veut. Non mais, je veux dire, il y a des acteurs, et un scénario, c'est joué quoi. Bah non. Bah si. Bah non, c'est un documentaire. Retour vers le futur, c'est un documentaire. Regarde, t'as rien suivi, je viens de tout expliquer. Ils sont allés en 2015, dans leur réalité de celle qui est dans le film, celle qu'on peut pas voir. Mais sauf que nous, on a eu une courbe tangente infléchie, que du coup on est dans la... On peut pas voir, c'est pour ça, mais c'est... Tu n'as rien suivi. Il faut que je te montre quelque chose. Suis-moi. Hé ! Mais pourquoi t'as acheté une voiture ? T'as même pas le permis ? Il m'a fallu 10 ans et toutes mes économies pour reconstruire ce petit bijou. Ah, donc t'as fait une réplique de la voiture du film ? Plus ou moins. Non. C'est bien plus que ça. Monte. Je n'ai pas encore pu la tester, mais si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 140 km/h... 80 miles à l'heure. Quoi ? Dans le film, c'est 80 miles à l'heure. Ah oui, je sais. Mais là, le compteur est en km/h. Du coup, je dis 140 km/h pour pas faire la conversion et me déconcentrer sur la route. Lorsque ce petit bolide atteindra 140 km/h, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.